le message sera transmis donc. Alors, Denis Mathieu, Denis Mathieu, t'es qui toi? D'où tu viens? Voilà, je l'ai dit, je le savais, je me l'ai dit à bord, tout ça, voilà. Ton passer en moto, je veux dire, c'est un truc absolument incroyable. Tu viens ici, tu nous dis que c'est la première course. Bah oui, ici, oui, enfin, on n'aura pas une bague, moi. Voilà, mais autrement, ça a été quoi tes participations avant? Des loisirs. Voilà. Alors, quand on vit un truc pareil, on va te revoir? Sûrement. Peut-être. Ouais, je crois, on doit y prendre goût. Alors, il va se voilà qui s'habitue à répondre sur les podiums et à développer un peu. Ouais, ouais, j'ai mon petit crayon. Thank you.
châssis F2 et qui devrait être un véhicule. Bien qu'elle améliore son meilleur tour en course, eh bien, elle ne se rapproche pas de Guillard et Pau. Et nous ne sommes plus qu'à 5 tours du drapeau à damier. Thierry Pichon qui allait marquer un point et qui s'y allait arrêter au bord du circuit. Voilà Sébastien Delannoy donc sur chacun des châssis. Rémi Guillard et Frédéric Pou passent pour la dernière fois sur la ligne de chronométrage avec leur châssis numéro 135. Troisième marche du podium de la catégorie F2.